bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour unboxer la case numéro 2 des calendriers de l'Avent. Donc voilà, je suis habillée comme hier parce qu'en fait, je tourne à la suite. Voilà, je ne pourrais pas ouvrir la case numéro 2 en direct. Du coup, je le fais le premier, comme ça, c'est plus simple pour moi. Et je vais également ouvrir la case numéro 3 et après, on reprendra un rythme normal. Mais voilà, vu que le vendredi, je finis les cours tard et que je rentre chez moi, enfin chez mes parents, ça me fait trop de route. Voilà, après vous avez la vidéo trop tard, enfin bref, je m'arrange comme ça, c'est mieux. Et le samedi, vu que je laisse tous les calendriers ici, que je vais pas à chaque fois les emmener et tout chez mes parents, je la tourne, je la montrerai plus tard. Par contre dimanche, vous aurez bien la vidéo de dimanche, tournée le dimanche quoi, tout simplement. Donc voilà, on va unboxer tout de suite le numéro 2. Donc voilà, avant de commencer, je voulais juste vous dire que donc je sais pas si vous avez vu la première vidéo, mais voilà, avec Beauty Cult, on vous fait gagner des petits concours. Donc tout sa vidéo explicative sera en barre d'infos, ainsi que sa chaîne et tout ça. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Alors, on va peut-être commencer par du coup le calendrier de Beauty Gold. Donc, elle me l'a mis dans un calendrier The Body Shop de l'année dernière. Donc voilà, on va voir ce qu'il contient. Je vais prendre hop, sa case numéro 2 à elle. Donc là, elle a fait ça en petit livret, elle a trop bien fait. La case numéro 2, c'est une case tout bleue comme ça. Alors, je vais prendre la case. La case 2, elle est là. Et donc là, la case 2 se présente comme ceci. Ce lait pour le corps te ramènera en été avec sa délicieuse odeur de coco et en prime te laissera la peau toute douce. Écoutez, très très bien. Donc c'est de la marque Palmers. C'est l'huile de coco lait hydratant corps, formule à l'huile de noix de coco 50 ml, qui se présente comme ceci. J'aime bien le flacon, il est assez marrant. Je crois que j'ai déjà eu ce produit, mais je le réutiliserai. Voilà, j'aime bien les laits pour le corps, donc très très bien. Écoutez, ça j'utiliserai. Merci ma belle, je suis très contente. Donc voilà pour son calendrier. Je remets les cases parce que voilà, si je veux réutiliser les calendriers, c'est mieux, hein, n'est-ce pas? Alors ensuite, on va... On va ensuite unboxer le calendrier Yves Rocher que j'ai eu gratuitement grâce à ma sœur. Donc la case numéro 2 du coup qui est ici, hop, qui se présente comme ceci. Donc la 2, qu'avons-nous? Donc là on a une crème pour les mains à l'amande lactée. Ça c'est une de leurs odeurs de Noël. Je préfère quand même l'odeur d'amande de chez The Body Shop, mais après ça sent pas, ça pue pas quoi. Mais c'est vrai qu'entre les deux, je préfère celle de The Body Shop qui sent plus l'amande, je trouve, que celle-ci. Mais après, ça sent quand même très bon. Et voilà, je trouve qu'on n'en a jamais assez. Ça, c'est un format de 30 ml. Et très très bien, écoutez, parfait. Une petite crème pour les mains en plus de leur senteur de Noël, c'est parfait. Ensuite, le calendrier Révolution. Je suis désolée pour la luminosité. Donc, je vais enlever ce truc. En fait, je le dis à chaque fois, mais c'est chiant. Et il s'ouvre comme ça, c'est vrai qu'il y a des cases au milieu qu'il faut que je fasse attention. Ah, au secours. C'est tout défoncé, je remettrai après, je vais le mettre ici. La case numéro 2, elle est ici. Elle est toute petite, je sais plus ce qu'elle contient. Je l'avais unboxée, mais j'ai une mémoire de poisson rouge, alors je ne sais plus. Il ne veut pas sortir, c'est un produit qui est bien bien enfoncé dans sa case. Bien là, voilà. Donc là, on a un contouring, enfin une poudre de contouring du coup, c'est la teinte Shape et c'est un brun un peu foncé comme ça. Hop, parfait, écoutez, très très bien, nickel, écoutez, très bien, très bien. Ça je pense que je vous la ferai gagner dans le petit concours d'aujourd'hui, pourquoi pas. Je ferai un lot maquillage je pense et je vous la ferai gagner, mais on verra ça à la fin de la vidéo. D'habitude, hein, mon chouchou, le My Winbox, on l'ouvrira à la fin. Ensuite on ouvre le calendrier The Body Shop. Qu'est-ce que nous avons? Donc la case numéro 2, c'est une petite case. Et là on a quoi? Là on a un stick soin pour les lèvres à l'avocat qui se présente comme ceci. Ça pareil, on n'en a jamais assez pour l'hiver qui arrive. Il sent pas trop mauvais. Ouais, j'avais peur avec l'odeur d'avocat parce que c'est pas trop une odeur que je kiffe particulièrement. Mais voilà, très très bien. Écoutez, pourquoi pas. On n'en a jamais assez, ça c'est pareil. C'est comme les crèmes pour les mains. C'est des produits que voilà, que j'achète à chaque fois parce que franchement, ça va tellement vite. Ensuite, unboxer celui de chez By Terry.
Alors, la case numéro 2, Vaiteri, où es-tu? Elle est là. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Donc là, de chez Vaiteri, on a une ombre à paupières. C'est la teinte bronze Moon 4. Hop, ça se présente comme ceci. Je le contorsionne pour montrer rien du tout. Et c'est un brun comme ça. Alors, je vais le tester, je pense, parce que j'ai pas de produit Vaiteri. Oh, elle est trop belle, cette couleur. Regardez. Elle est ici, elle est trop jolie. Franchement, ça ira trop bien, j'adore. En plus, c'est très très crémeux. Je ne l'ai pas senti passer sur ma main. Donc, ça m'a l'air parfait. Ça sent rien, mais c'est très très soyeux. J'aime beaucoup. Donc ça, parfait. Je suis très contente. C'est un petit format, je crois, mais qui coûtait quand même assez cher. Je ne sais plus le prix. De toute façon, je l'avais unboxé sur ma chaîne. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous la mettrai dans le petit i. Je sais pas, là, je crois. Mais voilà, très très contente de ce petit produit. Donc la case numéro 2, c'est fait. On va ensuite passer au prochain Glossy Box, qui est comme ceci. Celui-ci est vraiment très très joli. Après, c'est vrai que l'intérieur, est par rapport comparé à celui de l'année dernière, est un peu moyen. Mais bon, pour le prix que je l'ai payé, je l'ai vu à 49 euros, je crois. Ça passe largement. Donc, la case numéro 2, je crois. Oui, c'est ça. Hop, elle est comme ceci. Et donc là, on a une crème pour les mains. Ah oui, je me souviens, j'avais vu passer celle-ci. On a une crème pour les mains. Attendez, j'arrive pas à remettre la case, ça y est. Une crème pour les mains de chez L'Occitane en Provence. Beurre de karité 20%, 30 ml. Qui se présente comme ceci. Donc voilà, celle-ci je la connais déjà, je l'avais déjà eu dans le calendrier L'Occitane. Composé à 95% d'ingrédients d'origine naturelle et vegan, ce baume lissant protège, nourrit et hydrate les mains. Cette formule riche, enrichie en beurre de karité biologique, en huile d'argan et en huile de noix de coco, est facilement absorbée pour aider à réparer et à protéger la peau sèche ou déshydratée. Un indispensable pour la maison, le travail et les déplacements. Donc voilà, on n'en a jamais assez, hein, des crèmes pour les mains, comme je le disais. Donc pour cette case-là, on a eu deux crèmes pour les mains. Ensuite, on va regarder le calendrier Ma Winbox. Donc, je cherche la case numéro 2. Je ne sais pas où elle est. Ouh là là. Ah, la case 10 se barre. Je ne sais pas où elle est. Ah, elle est là. Alors, je vais le poser parce que c'est quand même très très lourd. La case 2 est trop jolie. Je ne sais pas si vous verrez, mais voilà. Hop, elle est trop belle. Et à l'intérieur, on a un grand produit. Donc, on a un masque visage hydratant de la marque Avae. Je crois que c'est une marque qui est disponible chez Carrefour. Je crois que je l'avais vu passer. Là, c'est au beurre de karité bio pour les peaux sèches et sensibles. Ça se présente comme ceci. Écoutez, j'ai jamais testé cette marque, même si c'est une marque, comme je vous disais, dispo en grande surface. C'est 50 ml, 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Et voilà, écoutez, très bien. J'aime beaucoup les masques, donc ça, ce sera utilisé. Et parfait, peau sèche et sensible, c'est peut-être pas trop mon type de peau. J'ai plutôt la peau normale à mixte. Donc je sais pas si je l'utiliserai ou pas. En tout cas, j'aime beaucoup. Ça m'a l'air d'être un format vente, je ne sais pas. Dites-moi si vous savez ou pas. Mais très contente, très très bien. Parfait. Pour vous faire gagner, moi je suis toujours très contente pour faire gagner des produits. Donc voilà, je vais le remettre ici. Donc voilà, on en a terminé déjà pour l'unboxing. Donc alors je vous retrouve, j'ai fait le petit lot concours à gagner aujourd'hui. Donc il est composé de la crème pour les mains à l'amande que j'ai eu dans le calendrier Yves Rocher. Et du coup il est composé également d'un baume pour les zones sèches de la marque Exoalta, je ne sais pas vraiment la marque, que j'ai eu dans une Beautiful Box je crois. Donc voilà, c'est un grand produit comme ça qui est fait pour le creux des coudes, les jambes, les talons, les lèvres, enfin tous les produits que vous avez un peu secs. C'est un format de 30 ml et c'est made in France. Donc voilà, ces deux petits produits sont à gagner dans un seul lot. Pour les modalités d'envoi, je choisirais plutôt Mondial Relais après la poste, même si c'est un peu lourd, mais plutôt Mondial Relais. Je privilégierais Mondial Relais. Donc voilà, si vous n'avez pas, bah, je suis désolée, mais voilà, après ça me coûte très très cher. Donc voilà, par Mondial Relais, toutes les modalités d'inscription seront en barre d'infos. N'oubliez pas, à chaque fois un petit numéro apparaît à l'écran, etc. Donc je vous laisserai les regarder si ça vous intéresse. Donc voilà pour le petit lot du jour. Alors le petit bilan des petites cases du jour. Alors il y aura quelques produits en vente sur Vinted, notamment ce petit produit
Révolution, je pense, et le masque visage hydratant. Alors peut-être que je change d'avis et que je vous le mettrai du coup de côté pour voilà, pour les prochains concours ou quoi, mais voilà, pour l'instant ça je sais que je ne vais pas l'utiliser, c'est sûr, donc ce sera pour vous dans tous les cas, soit sur Vinted ou soit dans le concours comme je vous le disais. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé du coup de ces cases numéro 2. N'hésitez pas à liker si vous aussi vous aimez les unboxings en tout genre. Surtout là, ceux des calendriers de l'Avent qui ont commencé. N'hésitez pas à vous abonner juste ici pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Moi je vous fais de gros bisous, je vous aime et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye !